trouvé ce matin pour évoquer ce séjour qu'on va proposer. Ce séjour qu'on va proposer effectivement au mois de mai sur le Kent et le Sussex. Simplement pour vous rappeler que bon, ça fait déjà quelques années qu'Oxana et moi-même proposons ce type de, on va dire, de séjour d'échappée culturelle. Alors sur le Royaume-Uni, puisque j'y vis, vous le savez, eh bien je vous ai déjà proposé il y a quelques années par exemple un séjour sur Cambridge et Oxford, puis leur région. On a déjà emmené quelques passagers comme cela vers le Pays de Galles ou encore la Cornouaille. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler donc des jardins et châteaux du Kent et du Sussex, mais juste en pire cœur de rappel un petit peu le programme qu'on a prévu pour cette année 2021. Alors, en vous rappelant, voilà, avec cette première image, hein, puis Oxana Garin réalise aussi ce type d'échappée culturelle. Toujours, on est au départ de Paris, on essaie d'utiliser des petits hôtels, les hôtels au centre des villes ou des villages. On essaye d'avoir effectivement un seul hôtel, voire deux dans les circuits un peu plus longs, notamment sur le cas de Chypre. Et puis également, c'est vrai qu'on essaie d'avoir un programme qui soit eh bien, agréable, avec un bon rythme à la fois de découverte, mais on n'est pas non plus, on essaie d'avoir un programme qui soit, on va dire, adapté à l'ensemble du groupe, et puis des petits groupes, puisqu'au maximum, eh bien, on est entre 20 et 25, on accepte 20 à 25 participants. Alors, première image, effectivement, c'est ce programme qu'on va vous proposer à la fin du mois d'avril. Un programme qu'on a envisagé sur Lyon. Lyon, c'est ma ville natale, donc, et c'est aussi une ville formidable qu'on a tendance à ignorer, même les Français, hein, ont tendance à souvent un peu ignorer cette ville. Et puis, c'est l'occasion en avril aussi, au printemps, Lyon organise, le Musée des Beaux-Arts va organiser une exposition sur les frères Flandrin. Vous savez, à droite de l'image, célèbre peinture d'Hippolyte Flandrin avec ce très beau berger assis. Ça sera l'occasion d'aller voir la Maison des Canuts, la Basilique Fourvière, où M. Christian Furia eh bien, jouera volontiers, je le sais, les guides. Je n'oublie pas le musée gallo-romain, la primatiale Saint-Jean, le vieux Lyon, et puis les Trabous, le musée Gadagne. Oui, c'est un programme très, très intense. Et on ira voir également eh bien, l'un des derniers ajouts qui est de l'autre côté, alors le quartier d'Ainay, qui est assez intéressant et qu'on visitera également. Et puis de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du Rhône, il y a cette presqu'île, au bout de la presqu'île, pardon, il y a donc ce musée des confluences qui a été installé, qui a été développé. Alors, avec une architecture, vous voyez, un petit peu surprenante, hein, les Lyonnais ont eu du mal au début à s'adapter, mais surtout, il est très intéressant pour les collections et les expositions qu'on y organise. Donc, ça sera là aussi un des temps forts de cette visite, de cette escapade lyonnaise qu'on envisage donc à la fin du mois d'avril de cette année. Une autre, bah alors ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, donc n'hésitez pas, hein, si vous l'avez pas vu, cette présentation est visible sur le site internet de Plein Cap et également sur YouTube. Voilà, la magie des îles anglo-normandes, un petit séjour pour aller voir les îles de Jersey, Guernesey et Cerques. Et puis également, eh bien, alors, avec Madame Oxana Garin, c'est une façon de découvrir, de revoir avec l'œil et le savoir de cette conférencière nationale qu'est Madame Oxana Garin, cette ronde des châteaux du Berry dans la deuxième moitié du mois de mai. Je continue en vous parlant d'un voyage, alors cette fois-ci au mois de septembre, donc au début du mois de septembre de cette année, à la fin de l'été, on va vous proposer de rejoindre la ville de Nîmes, sa région, avec son très riche patrimoine romain, son récent, puisqu'il date que de 2018, Musée de la Romanité, avec cette fois-ci pour l'automne, une exposition qui a été reportée, qui était prévue en 2020, mais qui va se dérouler en 2021. Cette exposition, c'est celle de sur l'empereur romain, un mortel parmi les dieux. Et puis, on en profitera pour aller voir le pont du Gard, aller se promener vers Uzès et également la ville d'Arles. Et alors, quelque chose qu'on avait également proposé l'an dernier au mois de novembre et qu'on a dû décaler et qu'on propose donc cette année au mois d'octobre, quelques jours, trois jours sur Bâle en Suisse,
Trois jours, quatre musées exceptionnels au programme, en plus de la découverte de la ville. On va voir la cathédrale, on va voir son bel hôtel de ville, mais on va également voir donc l'exposition au Musée des Beaux-Arts. Donc en octobre de cette année, ça sera une exposition sur Camille Pissarro. On ira également voir le musée historique de la ville, la fondation Beyeler qui a eu la gentillesse de reporter son exposition dans cette fondation. Donc, c'est la même exposition prévue l'an dernier, c'est celle donc sur les peuples et femmes. Les peintres femmes, pardon, neuf artistes qui ont été sélectionnés, de Berthe Morisot à Elizabeth Payton, c'est une artiste américaine. On parlera également, et là vous avez à l'image d'ailleurs, c'est une peinture de l'impressionnante, on va dire, mexicaine, cette peintre artiste Frida Kahlo, qui a dépassé d'ailleurs, la réputation de son mari, qui était beaucoup plus connue de son vivant, mais on a oublié un petit peu son mari, on se rappelle beaucoup plus donc de Frida Kahlo. Et puis le dernier musée, le plus fou, celui d'un artiste dont on connaît lui aussi finalement plus son épouse que lui-même. Cet artiste, c'est Jean Tinguely. C'était le célèbre époux de Niki de Saint-Phal. Là aussi, un artiste tout à fait, avec des œuvres, ma foi, tout à fait surprenantes. Donc, un beau séjour là sur 3 jours sur Bâle. Et également au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, un circuit sur Chypre qu'on avait envisagé au printemps mais qu'on a repoussé. Cette île de Chypre qui est très chère à mon cœur, une île avec plus de 3000 ans d'histoire. Alors là, on utilisera deux hôtels, l'un sur Larnaca, l'autre sur Limassol. 6 jours de voyage pour aller voir les trésors des villes côtières, c'est Paphos, c'est Larnaca, mais également les trésors au nord de cette île. Donc les trésors comme Famagouste, comme Kérinia, des trésors qui sont sous occupation turque, hein, puisque c'est la partie occupée par la Turquie, mais on peut la visiter. Et sans oublier ce qui est la dernière capitale d'Europe divisée par un mur, c'est la capitale de l'île, la ville de Nicosie. Alors des musées, des sites archéologiques, des centres-villes aussi, centres-villes historiques que l'on visite. Mais Chypre, c'est aussi une île de tradition avec ses églises, ses monastères, du Mont Troodos, par exemple, et puis sa gastronomie avec des produits tout à fait originaux qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir. Donc, à la fin du mois d'octobre, à Chypre, c'est encore l'été quasiment, l'automne dans cette partie orientale de la Méditerranée et, ma foi, toujours très doux au mois d'octobre. Alors, j'ai déjà présenté, voilà, il y a quelques semaines, je vous disais, le séjour sur les îles anglo-normandes. Ce matin, je vais davantage vous parler donc de cet autre séjour. Dans cette région, dans ce comté du Kent, du Sussex, on est dans la région donc du sud-est de l'Angleterre. Pour résumer un petit peu l'importance historique de cette région, eh bien, on va dire que c'est naturellement, hein, géographiquement, la première terre qui est atteinte par tous ceux qui veulent mettre les pieds sur les îles britanniques, qu'ils soient, on va dire, migrants, envahisseurs, qu'ils soient missionnaires venus d'ailleurs du continent. Les plaines fertiles qui s'étendent derrière les falaises de craie se sont en fait avérées des sites propices hein, pour l'établissement de villages, de villes. Les Romains ont été quasiment les premiers à élever le long de la côte, eh bien, le long de la côte de cette Manche, bien sûr, des fortifications. Les Romains ont installé les premières fortifications pour justement essayer de décourager les autres envahisseurs potentiels hein, venus, bien sûr, du continent. Les immenses cathédrales, comme celle de Canterbury qu'on visitera, témoignent du rôle majeur que jouait au Moyen-Âge l'Église, parfois d'ailleurs en compétition, si ce n'est en querelle, avec les représentants d'un État hein, qui essaye de s'organiser. Le commerce avec le continent a fait la fortune des ports, des contrebandiers du Sussex, du Kent. À l'époque des Tudors, déjà, les rois, les nobles, les courtisans achetaient des domaines de cette région pour se faire construire des demeures, finalement, entre Londres et la côte, profitant eh bien, de ce climat, de la douceur de ce climat, et puis de la proximité avec Londres. De nos jours, le sud-est de l'Angleterre, c'est la région la plus peuplée aussi du pays. Une partie de cette région est connue sous le nom d'ailleurs de Stockbroker Belt, hein, donc ça veut dire la ceinture des financiers de la bourse, hein, puisque les agents de change utilisent un petit peu ces gens comme leur banlieue, ces hommes d'affaires qui succèdent aux riches familles des Tudors et qui viennent comme cela acheter des grandes propriétés dans la région. Alors, c'est aussi une région qui, compte tenu de ses terres fertiles et de la proximité avec la métropole, est devenue le jardin
du pays apprécié pour ses vergers. Alors, on va évidemment commencer notre voyage à Paris, puisque ça sera le dimanche 9 mai, avec un court trajet en Eurostar. Et quasiment dès la sortie du tunnel, eh bien, on fait un petit arrêt avant même de rejoindre Londres. On fait un arrêt à la station d'Ashford International et on commence le voyage à partir donc d'Ashford, ce qui va nous permettre de rejoindre eh bien la ville principale du Kent, Canterbury, qui est à peu près à 45 minutes au nord-est d'Ashford. Canterbury est à peu près 85 km aussi au sud de Londres. Canterbury, c'est l'une des plus anciennes villes du pays. Le site est occupé avant l'arrivée des Romains, 3 siècles même avant l'arrivée des Romains. Et les Romains vont la renommer, vont l'appeler Duovernum Cantiacorum. Hein, donc, ils vont en faire une colonie, bien sûr. Alors, comme ils font habituellement, ils vont développer, construire un théâtre, un temple, un forum, les inévitables bains publics. C'est aux Romains que Canterbury doit ses premiers murs de protection, sa fortification, ses premiers remparts élevés dès le 3e siècle de notre ère. Lorsque l'Empire romain va péricliter, eh bien, que les légions romaines quittent l'Angleterre, Canterbury voit sa population largement diminuer, puis elle va être remplacée, d'autres peuples vont arriver, en particulier ce sont des Saxons qui vont venir s'installer, et une branche, on va dire, en particulier des Saxons qu'on appelle les Jutes. Alors la ville, le roi du Kent, qui s'appelle Ethelberg, est converti au christianisme, on est au 6e siècle, par un certain Augustin de Canterbury. Qui est qui avait été envoyé par le pape Grégoire Ier. Et Augustin de Canterbury, eh bien, va recevoir, d'ailleurs, pour cette conversion réussie, il va recevoir une gratification, un symbole d'autorité très important, qu'il récupérera plus tard également Thomas Becket. C'est le pallium, hein, qui est une sorte qui est effectivement un symbole de pouvoir donné par le pape, un symbole d'autorité. Donc c'est une place chrétienne d'importance hein, sous les rois saxons et déjà on voit apparaître donc une cathédrale. Rapidement, elle devient l'archevêché, cette ville de Canterbury, l'archevêché du primat d'Angleterre. Les 9 premiers évêques sont d'ailleurs canonisés et parmi eux, on va retrouver ce fameux Thomas Becket. Alors encore de nos jours et malgré on va dire les apports plus modernes, plus contemporains, au cœur de la vieille ville, eh bien, on trouve les traces de son passé, celui du Moyen Âge, avec les murs de la ville, mais également avec des maisons qui datent du 12e au 14e siècle, fondées avec des bases, hein, des fondations qui, elles, remontent à la période romaine. Alors évidemment, c'est la cathédrale hein, qui domine cette ville de Canterbury. Elle a dominé partie de l'histoire du pays depuis, on va dire, le 7e siècle, dans sa première version, malgré les destructions principalement dues aux invasions vikings, là on parle des Danois, hein, des vikings venus du Danemark. Les différentes reconstructions, on la considère comme l'une des plus anciennes, des plus célèbres églises chrétiennes d'Angleterre. Et après les débats des invasions danoises, les dégâts, pardon, des invasions danoises, la ville ne présente en fait aucune résistance lorsque les Normands se présentent. Ils ont un peu compris la leçon. Et dès 1070, eh bien, on va y élever justement une nouvelle cathédrale pour remplacer celle des Saxons qui était tombée en ruine. Alors, il ne reste pas grand-chose de cette, on va dire, première cathédrale romane normande, si ce n'est les parties basses, des maçonneries, certains éléments également qu'on peut retrouver dans la crypte. De la période suivante, c'est celle du 11e, 12e siècle, les témoignages sont déjà un peu plus importants, puisque là, c'est la volonté d'un archevêque qui s'appelle l'archevêque de Saint-Anselme. Et là, eh bien, il fait pousser justement le cœur un peu plus vers l'est, c'est ce qui est en violet sur ce dessin, et on a à peu près les 2/3 du cœur hein, qui ont survécu jusqu'à nos jours. Mais plus que l'architecture, le 12e siècle, pour la cathédrale de Canterbury, c'est le siècle de Thomas Becket, l'archevêque assassiné dans son église, résultat du conflit entre le pouvoir royal et celui de l'église. Tout avait, on va dire, plutôt bien commencé pour Thomas Becket, qui est en fait le fils d'un petit bourgeois lui-même, qui a connu l'esclavage en Terre Sainte, et d'une mère musulmane convertie. Remarqué très tôt par le roi Henri II, Thomas Becket, eh bien, va gravir assez vite les échelons de la cour du roi Henri II et
on peut parler d'une brillante ascension. Il est fait précepteur, maître d'armes des fils du roi Henri II. Il devient conseiller privé, puis chancelier. Et à ce poste, eh bien, Thomas Becket se fait particulièrement apprécier par le roi dans la lutte qu'il mène contre le pouvoir religieux au nom du roi. Et alors, c'est pour remercier, on va dire, ce zélé serviteur qu'Henri II, eh bien, le nomme archevêque de Canterbury, primat de l'Église anglaise, une nomination qui va tout changer. Celui qui était connu pour être un bon vivant, Thomas Becket, il appréciait, on va dire, le chassé, il appréciait les bonnes tables, et puis il appréciait aussi les femmes, eh bien, il est justement ordonné prêtre, très rapidement. Dès le lendemain, il est fait évêque, pour que le troisième jour, le lundi Pentecôte 1162, il devienne l'homme le plus puissant d'Angleterre, mais chef de l'Église. Henri II a commis une erreur, persuadé de la fidélité de son plus important confident. Thomas Becket prend sa nomination très au sérieux, apparemment il a toujours pris tout au sérieux, et il va dès lors défendre l'Église d'Angleterre contre les prétentions du pouvoir du roi. Thomas Becket cherche et obtient le soutien du pape, c'est le pape Alexandre III à ce moment-là. Les querelles vont s'accumuler très rapidement jusqu'à la rupture, l'exil de Thomas Becket. Il va se réfugier à la cour du roi de France et le roi Louis VII. Alors, 7 ans plus tard, en 1170, la réconciliation s'amorce. Henri II n'a, semble-t-il, pas tout à fait pardonné. Et puis, il a prononcé une imprécation fatale, ça arrive parfois aux hommes d'État, l'air de rien, hein, comme on fait parfois lorsqu'on est, on excite, vous voyez, une foule de croyants. Et son ordre, eh bien, est ainsi exécuté par 4 seigneurs normands qui assassine dans sa propre église Thomas Becket. Il a dit « Ainsi donc, personne ne me débarrassera de cet impudent félon. » Un an plus tard, le roi Henri II vient se flageller sur le parvis de l'église. Thomas Becket est fait martyr de l'église. Les miracles vont commencer à se multiplier. Il est canonisé. Le destin de la cathédrale change radicalement. Elle devient, cette cathédrale de Canterbury, eh bien, le centre d'un pèlerinage. Plus de 3 siècles de pèlerinage, les pèlerins affluent, alors du croyant lambda aux personnages importants, des papes, des rois de France. Henri VIII viendra, lui aussi, avant de faire détruire, de faire démolir la châsse de Thomas Becket, dans laquelle il y avait les restes qui sont répandus au nom de la suprématie du pouvoir royal. Mais la cathédrale, vous voyez ici, une sorte d'exvoto qu'on achetait, toujours les marchands du temple, on pouvait acheter lorsqu'on se rendait comme cela en pèlerinage, et on achetait cette figurine qui représentait bien sûr Thomas Becket. Alors la cathédrale va subir d'importants travaux, notamment après un incendie, très peu de temps après la mort, l'assassinat de Thomas Becket en 1174, et on va donc dédier une chapelle à Thomas Becket, ce qu'on appelle la couronne de Thomas Becket. Alors, évidemment, la cathédrale de Canterbury sera un moment majeur de notre visite de ce premier jour. Elle est unique par son architecture, inscrite, bien sûr, au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut parler d'un véritable panorama de l'architecture religieuse, un éclectisme qui va du style roman au gothique tardif. Les apports, les transformations et agrandissements ne se sont pas arrêtés au XIIe siècle. Les vitraux font leur apparition. Ils font l'apparition. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, ils sont parmi, on considère, les plus raffinés du pays, illustrant alors les différents thèmes, la généalogie, la parole du Christ, mais également la géographie des miracles de saint Thomas. Et puis, grâce à Guillaume de Sens, le gothique français apparaît. Il va bientôt donner naissance à un gothique, ce qu'on appelle le gothique perpendiculaire, qui va s'imposer sur l'Angleterre au cours des XIIIe et XIVe siècles. Et grâce à de nouvelles techniques, les murs sont plus hauts, on a plus besoin de contreforts importants, et on va voir ce qu'on appelle la ramification des nervures, qui est inspirée de l'Anjou, et bien donner naissance à une ramification qui va être de plus en plus importante. Les nervures vont dépasser quasiment le décor, et on va voir apparaître ce qu'on appelle les voûtes à éventail, qui sont l'une des caractéristiques du gothique tardif de l'Angleterre. Alors, parmi les trésors de la cathédrale, on notera notamment un superbe jubé, lui aussi en gothique tardif, qui a été construit, reconstruit d'ailleurs même au XIVe siècle. On y trouve les tombes du Black Prince, qui était le fils d'Édouard III,
père de Richard II, premier chevalier de l'ordre de la Jarretière au XIVe siècle, également premier prince de Galles. On y trouve également les gisants d'Henri IV, de son épouse Jeanne de Navarre. Et puis, on ira voir cette crypte normande qui a survécu aux incendies, aux destructions, qui a évolué tout au long de l'histoire de la cathédrale, qui a grandi d'ailleurs avec la cathédrale. Alors, le règne d'Henri VIII va faire de Canterbury le siège du primat de l'Église anglicane, mais avec la dissolution des monastères, eh bien, là aussi, il y a un peu de négligence, il y a du vandalisme, les tombes, les peintures, les vitraux vont être endommagés. Un incendie majeur va dévaster cette cathédrale au XVIIIe siècle et ça va lui permettre, on va l'agrandir encore davantage. Alors, depuis 2013, eh bien, c'est Justin Wilby, là vous avez l'image, bien sûr, le cloître hein, de cette cathédrale. Depuis 2013, on a Justin Wilby qui a été intronisé archevêque de Canterbury. Il est, comme tous les archevêques depuis la réforme d'Henri VIII, eh bien, il est le primat de l'Église anglicane. C'est le 105e à obtenir ce poste. Donc le premier, voilà, c'était Thomas Cranmer avec Henri VIII. Alors après cette formidable visite de la cathédrale, eh bien, on fera une pause dans une pause déjeuner dans un pub de Canterbury. Et puis on va prendre la route cap à l'ouest. Au cœur du Kent, on a une petite heure de trajet pour rejoindre le très joli château, petit château de Leeds. Très joli château, vous voyez ici à l'image, cadre absolument magnifique, installé sur deux petites îles au milieu d'un lac artificiel, tout à fait tranquille. Ce château a un surnom, on l'appelle le plus joli château du monde. Alors, on commence sa découverte par une promenade en quittant le parking dans un jardin boisé avant d'atteindre le château proprement dit, une petite marche, on va dire digestive de 15 minutes. Pour ceux qui ne veulent pas marcher, il y a même un minibus. Mais dans un cadre qui a été aménagé, qui est spectaculaire parce qu'il a été aménagé par, alors on va dire, celui qui est le plus célèbre jardinier du royaume. Il s'appelle Capability Brown. Un surnom Capability, ça veut dire celui qui est capable parce qu'il a toujours dit oui à toutes les propositions. Et c'est le jardinier paysagiste du Xe siècle. C'est le responsable de la plupart des grands parcs des châteaux et on va dire manoirs d'Angleterre. Donc, on le voit un peu partout, le travail de Capability Brown. Vous arriverez devant, alors voilà, une autre image de ce château. Et puis, au bout de la petite marche, on arrive devant la porte principale du château, un monument, cette partie-là du XIIIe siècle, avant de prendre le pont de pierre qui donne accès justement aux îles. Ce château, ce n'est pas tout à fait le premier sur le site, un site qui est sans doute occupé depuis le IXe siècle. On parle d'une famille royale saxonne qui est, semble-t-il, la propriétaire de ce territoire. Alors, c'est, semble-t-il, un manoir, d'ailleurs une bâtisse en bois qui se trouve là. Un territoire, un domaine qui est donné par le roi Édouard le Confesseur avant l'invasion normande à une grande famille du royaume qui s'appelle la famille Godwin. Et puis, c'est le fils de Guillaume le Conquérant, qui s'appelle Guillaume II le Roux, qui va lui eh bien, donner cette place forte à un cousin. Ce cousin, c'est Hameau de Crèvecœur. 30 ans plus tard, le fils de Hameau de Crèvecœur, c'est Robert de Crèvecœur, eh bien, va entamer justement la construction du premier château de pierre. Alors, cette famille Crèvecœur connaît des difficultés financières au siècle suivant, ce qui fait que le château eh bien, passe à la fin du XIIIe siècle, va passer dans les mains du roi Édouard Ier, de sa reine Éléonore de Castille. Cette dernière est la fille de Ferdinand III de Castille, une méridionale, d'une certaine façon, qui apprécie le château et pour l'apprécier le château pour chasser, pour y trouver le repos. Et elle va introduire dans ce petit château, eh bien, les raffinements qui sont, ma foi, assez inconnus dans le reste du royaume. Alors, des nouveautés qui viennent comme cela, peut-être de l'influence des morts, d'ailleurs, de son propre pays, comme l'utilisation de tapis sur les planchers, l'installation de verres aux fenêtres, ce qui est là aussi une nouveauté. Et 9 ans après la disparition de cette première épouse, eh bien, Édouard Ier épouse une princesse française, ça sera Marguerite, la fille de Philippe III le Hardi, et ce château de Leeds, eh bien, va être leur lune de miel. Édouard Ier, donc avec sa seconde épouse, va quand même faire quelque chose qui va devenir une tradition, il va céder ce château à son épouse, à la reine, ce qui fait que les reines, une fois veuves, eh bien, pouvaient envisager de résider dans ce château, ça fait partie de leur propriété. Alors, un étonnant épisode va se dérouler d'ailleurs au château
sous le règne d'Édouard II, lorsque la reine, une autre princesse française, s'appelle Isabelle de France, se voit refuser l'accès au château. Il semblerait que la baronne de Badesmyr, qui était, en l'absence de son mari, qui était en charge du château, eh bien, n'ait pas reconnu les droits de la visiteuse, au point d'ordonner à ses archers de tirer sur la garde royale. Et cette bévue, qui a provoqué la mort de 6 hommes dans la garde de la reine, eh bien, a valu quand même à la baronne de passer 1 an enfermée dans la tour de Londres. Alors, au cours de la guerre civile, de la révolte des parlementaires contre l'autorité royale, eh bien, on va dire que la famille qui possède le château va s'arranger pour rendre service un peu aux deux camps et donc éviter le plus gros des problèmes. On doit l'aspect actuel du château à l'inspiration Tudor, d'ailleurs, au propriétaire du XIXe siècle. Le château de Leeds est reconnu pour son élégance, mais également pour son intéressante collection d'œuvres d'art, d'objets décoratifs. Alors, quant aux propriétaires du XXe siècle, les derniers, je m'attache un petit peu à cette dame que vous voyez ici à l'image, qui s'appelle Lady Olive Bailey, hein, Lady Olive Bailey, qui est une riche héritière anglo-américaine qui achète le château en 1926 pour l'équivalent quand même de nos jours quelques 10 millions de livres sterling. Et elle fait appel en fait à un architecte français qui s'appelle Armand Albert Rateau, qui lui-même va faire appel à un décorateur parisien un peu plus connu qui s'appelle Stéphane Boudin. Et là, eh bien, on va donner un nouvel élan un petit peu au château. Stéphane Boudin est chargé, il est connu parce qu'il s'est occupé aussi des appartements privés d'Édouard VIII à Buckingham Palace. Il a aussi travaillé pour Jackie Kennedy un peu plus tard à la Maison Blanche. Et vous avez ici à l'image, eh bien, justement, la salle à manger imaginée par Stéphane Boudin. Alors encore de nos jours, ce château, eh bien, est richement décoré d'objets d'art, on va dire, qui vont du XIVe au XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lady Bailey et sa fille, eh bien, vont transformer le château en hôpital spécialisé dans l'accueil des brûlés. Et à sa mort, eh bien, le château et le parc vont être confiés à une fondation qui, dans les années 70, va ouvrir cette propriété aux visiteurs. Le château de Leeds est un château très visité, un peu plus de, en temps normal, on va dire plus de 500 000 visiteurs viennent rendre visite donc chaque année. Au cours de cette découverte du château, on ira voir également les jardins, de très très beaux jardins à l'anglaise, jardins floraux, il y a une oisellerie aussi avec des oiseaux rares, et puis également un labyrinthe qui a été ajouté ces dernières années en 1988. Le château de Leeds est l'objet parfois de tournages, de séries télévisées, mais il a été aussi, on va dire, utilisé pour des sommets politiques, diplomatiques. Alors, par exemple, en 1978, est organisée une conférence de préparation avec les ministres des Affaires étrangères égyptiens, israéliens, c'est notamment le fameux Moshe Dayan à l'époque, et puis le secrétaire d'État américain qui se retrouve là pour préparer les accords de Camp David. 20 ans plus tard, c'est là également qu'on aura les pourparlers de la paix en Irlande du Nord, les pourparlers qui vont être menés donc dans ce château de Leeds. À la fin de cette première journée, eh bien, on va gagner notre hôtel, alors, qui se trouve à l'ouest du Kent, à la limite du Sussex, dans une très jolie petite ville qui porte le nom de Royal Tunbridge Wells. Une ville royale, ça c'est assez récent, c'est Édouard VII qui a donné ce titre au début du XXe siècle, le fils de Victoria. Une ville fondée, qui était plus ancienne, hein, fondée au Xe siècle, parce qu'on y a trouvé une source d'eau miraculeuse, de l'eau ferrugineuse. La ville, comme ça, est connue aussi pour ce qu'on appelle les pentiles. Alors, c'est ce que vous avez ici à l'image, une rue commerçante qui date du début du XXe siècle, début du XIXe siècle, pardon. Alors, les pentiles, c'était le sol qui était en fait recouvert d'un dallage de terre cuite. Bon, ça a été remplacé par des dalles de pierre à la fin du XIXe siècle. On aura l'occasion de visiter cette petite ville, puisque, alors peut-être le premier soir ou après, puisque on passera les 3 soirées, les 3 nuits dans cette ville, cette ville de Royal Tunbridge Wells, dans un hôtel donc, qui a été sélectionné pour vous, qui est cet hôtel dit de l'hôtel, non, c'est l'hôtel du vin, un petit réseau de boutiques hôtels, d'hôtels de charme du Royaume-Uni. Donc, c'est construit, aménagé dans un ancien manoir.
Alors, pour notre seconde journée, on a prévu eh bien, de rejoindre en matinée la propriété de Chartwell. Alors, c'est à 31 minutes, c'est très très près de Tunbridge Wells. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Chartwell. C'est possible si vous vous êtes intéressé un peu à la vie de Winston Churchill, puisqu'il s'agit en fait de sa demeure familiale. Alors, c'est une demeure qu'il a achetée lui-même en 1922. Winston Churchill fait l'acquisition de ce manoir qui est plus ancien, hein, qui date du XVIe siècle, et qui avait été déjà remis au goût victorien au cours du XIXe siècle. Une propriété avec vous voyez, une maison de briques rouges, avec un domaine de quelques 32 hectares, donc ce n'est pas une petite propriété. Alors, là, je vais faire rentrer quelqu'un d'autre. Également, donc, Winston Churchill a utilisé cette grande maison. Il va rester dans cette maison quasiment jusqu'à sa mort. Bon, il va quitter cette propriété qui était chère à son cœur seulement en octobre 1964. Il est mort au tout début de l'année 1965. Dans les années 20, il est déjà, Winston Churchill, un homme politique important. Il est à ce moment-là secrétaire d'État aux colonies et il a acheté cette demeure eh bien, juste après la naissance de son cinquième et dernier enfant. C'était sa petite fille Marie. Alors évidemment, en 1922, la maison a besoin de travaux, de rénovation, de modernisation. Tâche est confiée à un architecte anglais qui s'appelle Philip Tilden. Et sur la vaste propriété, eh bien, il y a des terres agricoles, on y trouve des jardins autour de la maison, il y a une ferme, des cottages, un lac. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon, la maison va être délaissée. Churchill et sa famille eh bien, devront loger dans la maison, on va dire, officielle, la maison de campagne officielle des premiers ministres qui s'appelle Chequers, hein, qui est plus proche de Londres, qui est plus proche du cabinet de guerre du premier ministre et qui est, semble-t-il, moins vulnérable à ce moment-là au bombardement de la Luftwaffe. Alors, à la fin des années 30, Churchill, d'ailleurs, a failli perdre cette belle maison parce que il avait fait, on va dire que son assise financière avait un peu souffert, il avait fait de mauvais placements à la bourse de New York et il est obligé de mettre en vente Chartwell. Alors, c'est grâce à des dons d'amis que la vente est évitée. Et d'ailleurs, après-guerre, eh bien, il y a une sorte de consortium, la propriété est cédée à un consortium qui va, ce consortium, louer un loyer symbolique eh bien, cette propriété à Winston Churchill. Je ne sais pas si de nos jours on pourrait vraiment le faire. En tout cas, c'est ce qu'on a fait à l'époque. De nos jours, en fait, depuis la disparition de Winston Churchill en 1965, le domaine appartient à ce qu'on appelle le National Trust, qui est très important au Royaume-Uni. Et c'est là aussi le résultat de dons, hein, ces dons ont permis l'acquisition, hein, donc le transfert de la propriété au National Trust. Et ça permet surtout la préservation et ça permet aussi de visiter évidemment cette propriété. Alors, l'intérieur de Chartwell, on a essayé de conserver le caractère familial de cette propriété avec de nombreux souvenirs qui évoquent la carrière, la vie de Sir Winston Churchill. Il est de nos jours considéré comme une figure britannique, évidemment, tout à fait célèbre, parfois un peu contestée. Hein, pendant évidemment, son mandat de Premier ministre, il a été l'un des leaders inimitables et il a permis donc la sauvegarde de la démocratie en Europe et la victoire des Alliés, mais il est aussi lié donc à l'Empire britannique, à cette domination sur des territoires, sur les populations. Et c'est vrai que de nos jours, eh bien, c'est quelque chose qui est parfois remis en cause. Alors, Chartwell, c'est un musée. C'est aussi dans chaque pièce, on va retrouver eh bien, des cadeaux qui ont été faits à Winston Churchill, également une collection d'œuvres d'art qui sont tout à fait intéressantes, que la famille a voulu conserver justement à Chartwell. C'est une façon aussi de comprendre un petit peu l'homme derrière l'homme d'État. Et vous avez par exemple, eh bien, dans un grand salon, on va retrouver une œuvre peinte par lui-même. C'était un peintre, Winston Churchill. Là, vous voyez cette peinture qui est à l'image, qui est intitulée en fait L'hiver sous le soleil à Chartwell. C'est évidemment une peinture un peu particulière puisqu'il l'a proposée à une exposition d'œuvres de peintre amateur, il a gagné le premier prix, c'était en 1925. Il a peint plus de 500 tableaux. Alors, tous ne sont pas exposés à Chartwell, mais une bonne partie de ces tableaux. En se promenant, on peut voir d'autres œuvres, notamment il y a un très beau Claude Monet qui est là, qui s'appelle Charing Cross Bridge, une des 37 versions de cette peinture de Claude Monet. Et également,
Et il y avait juste à l'image, juste avant, voilà, je la fais réapparaître à nouveau, un buste de Franklin Delano Roosevelt, un bronze, hein, donc là aussi très beau. Et puis, c'est vrai que ce couple de Churchill eh bien, reçoit à Chartwell, il a de nombreux amis qui viennent, des proches, des influents, des personnalités aristocratiques, politiques, de la finance, du spectacle. Charlie Chaplin est passé comme ça par Chartwell, Albert Einstein, Lawrence d'Arabie, David Lloyd George, Churchill. Il rédige durant ses nombreux séjours une grande partie de, on va dire, de son œuvre littéraire. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il est l'un des récipiendaires du prix Nobel de littérature, en tout cas pour l'année 1953. Alors, si l'intérieur du manoir était le domaine de prédilection de Sir Winston Churchill, les jardins étaient ceux de Lady Clémentine Churchill, et en particulier la roseraie, très très belle roseraie. Alors, c'est sans doute par nostalgie qu'elle s'est intéressée à sa roseraie, puisqu'on sait que c'est dans la roseraie du château de Blenheim, le château de naissance, là où est né Winston Churchill, c'est là qu'il a fait sa demande en mariage. Alors, Clémentine a voulu, semble-t-il, un petit peu célébrer ce moment par cette roseraie, donc, à Chartwell. Une roseraie qui avait souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été un petit peu abandonnée, et on l'a revitaliser cette roseraie après la Seconde Guerre mondiale. Jusque dans les années, on va dire, 2015, eh bien, on a évidemment, hein, au fil du temps, changé les rosiers. Vous savez que ça prend une espérance de vie très, très longue, un rosier. Mais à partir de 2015, le National Trust a voulu surtout essayer de redonner une certaine authenticité à ce jardin. Donc, on a essayé de replanter, de recréer les mêmes essences, donc les mêmes variétés. On a essayé de les mettre dans ce jardin. Ce n'est pas toujours facile, que certaines ont, ma foi, arrêté de le cultiver. Alors, dans ces jardins, eh bien, on pourra voir notamment une statue qui a été installée, qui représente bien sûr Clémentine et son époux Winston. Là, une statue. Donc, on doit à un artiste croate qui s'appelle Oscar Nemon, qui est connu surtout pour avoir réalisé une douzaine de statues, de Winston Churchill. Alors, après la pause déjeuner, eh bien, on va rejoindre à 15 minutes, c'est vraiment très très près, un autre trésor du Kent. C'est un petit château qu'on ira voir après la maison de Winston Churchill l'après-midi de ce lundi 10 mai. On ira voir le château de Hever. Le château de Hever, un château du XIIIe siècle, le château de l'enfance d'Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri VIII, la mère de la reine Élisabeth Ier. Alors, on découvre un intérieur fait de pièces lambrissées, de meubles raffinés, de tapisseries, une importante collection de portraits Tudor. On considère que c'est même la seconde collection après celle qui est exposée à la National Portrait Gallery de Londres. 700 ans d'histoire se sont déroulés entre ces murs. Le château du Moyen-Âge, avec ses fortifications, qui remontent au XIIIe siècle, bien évidemment, laissait la place peu à peu à un château transformé, qui a d'ailleurs été donné à la quatrième épouse d'Henri VIII, à Anne de Clèves. On en parlera un peu plus tard d'Anne de Clèves. Et puis le château va passer, on va dire, de famille en famille à partir du XVIe siècle. Il est nos jours le résultat d'une passion, d'un travail d'un riche américain qui s'appelait William Waldorf Astor, qui a utilisé une bonne partie de sa fortune eh bien, pour réhabiliter le château à partir du XXe siècle. Les jardins, vous allez les voir ici à l'image. Alors, il y a différents types de jardins, des grandes haies qui abritent une roseraie tout à fait charmante, il y a plus de 4000 rosiers qui embaument pendant tout le jardin pendant l'été. On y trouve aussi des grands arbres, des arbustes, l'artopière qui a donné naissance eh bien, à un jeu d'échecs. Alors, c'est juste ici en bas de l'image, mais également vous avez ici un très beau labyrinthe. Également un lac, un jardin à l'italienne qui est assez récent, hein, qui date des plus récents dans deuxième partie du XXe siècle. Mais on doit également, ça c'est un ajout évidemment, du milliardaire américain William Waldorf Astor. Et puis, on a également donc, cette famille américaine qui a fini par vendre ce château dans les années 80 à une famille anglaise du Yorkshire qui s'appelle les Guthrie. Vous les voyez ici à l'image, avec celle qu'on appelle le trésor national, Judy Dench, et les Guthrie qui possèdent ce château, eh bien, l'entretiennent et l'ont ouvert également à la visite. Alors, à la fin de la visite, eh bien, très belle visite donc, dans ce château de Hever, on va rejoindre comme cela, la petite ville de Tunbridge Wells, hein, qui est à 30 minutes là aussi, pour y passer notre seconde nuit.
Pour la troisième journée, eh bien, on va prendre la direction de la côte, on va dire presque plein sud, pour rejoindre le littoral, pour rejoindre, mais toujours dans le Kent, on ira à Brighton. Il faut une petite heure, hein, pour rejoindre comme cela le littoral, ce qu'on appelle ici en Angleterre la Riviera britannique. Brighton, c'est un des hauts lieux de cette Riviera, apprécié, c'était d'abord un petit port de pêche au Moyen Âge, ravagé d'ailleurs par une incursion française au début du XVIe siècle. Et puis, on a découvert les vertus des bains de mer. Et à ce moment-là, eh bien, c'est devenu une station élégante, notamment lorsque on aura le patronage du prince régent, le futur George IV, à partir de 1784. Alors, il a fait construire un pavillon extraordinaire, un pavillon exotique, vous voyez ici à l'image cette architecture qui est assez surprenante. Il l'a voulu comme une résidence du bord de mer, conçue dans un style architectural, on dit exotique à l'époque. Le dessin, l'allure générale de ce pavillon est de ce qu'on appelle un style anglo-indien. Et on doit principalement l'architecture de ce style-là, de ce bâtiment, à John Nash, hein, qui est l'architecte très à la mode. On va transformer évidemment Brighton aussi, hein, qui va être transformé notamment par l'arrivée du chemin de fer. Parce qu'à partir du moment où il y a le chemin de fer, eh bien, vous avez les Londoniens qui peuvent envisager d'aller passer une journée à Brighton, d'aller passer la journée au bord de mer. Et c'est vrai que la population eh bien, va être multipliée par 17 en moins d'un siècle, pour atteindre quelques 120 000 habitants au début du XXe siècle. L'ère victorienne va profiter beaucoup au succès donc de la ville, des hôtels, les quais vont être aménagés, il y aura de plus en plus de visiteurs. On visitera par exemple ce qu'on appelle les lanes, qui sont ces ruelles bordées d'anciennes maisonnettes de pêcheurs, converties, transformées en magasins d'antiquités, en cafés, en restaurants. Mais quand on est à Brighton, on voit évidemment le Royal Pavillon, hein, puisque le prince régent eh bien, ne venait pas à Brighton seulement pour soigner sa goutte, puisque il y avait des vertus curatives à cette présence dans les lieux, mais il venait là aussi bien pour échapper à la surveillance parfois un peu délirante de son père. C'était le roi George III, vous savez, c'est le roi fou, George III. Et puis il venait là aussi rencontrer sa maîtresse de longue date, qui était la trop catholique Madame Fitzedberg. Si l'extérieur est d'inspiration indienne, l'intérieur va être une sorte de mélange d'influences indiennes et chinoises, mais également les influences islamiques, moghole, un style qui va être très populaire pendant la période de cette régence. Une fois roi, George IV, eh bien, va organiser d'importants banquets dans son pavillon. Il aimait d'ailleurs à se placer au centre de la table, pas au bout, pour être entouré par le plus grand nombre de convives et, si possible, le plus grand nombre de dames. Chantant à la fin du repas, c'était on va dire un bon vivant, George IV. Chantant donc à la fin des repas, il conduisait comme cela ses invités dans les différents salons, et puis il terminait par le salon de musique où justement il avait un orchestre qui jouait. Alors c'est un personnage qu'on va considérer, qui est considéré à l'époque comme un personnage très excentrique. Alors il aimait faire quelque chose qui n'était pas très bien vu, il aimait emmener ses visiteurs dans les cuisines, parce qu'il était très très fier de ses cuisines qui étaient très importantes, très grandes. Quelques 180 domestiques étaient là pour servir tout ce petit monde, le roi, ses invités. Alors, on n'aimait pas montrer trop les domestiques à l'époque, donc on avait un système de couloirs cachés qui permettait aux domestiques de, eh bien, déambuler et d'accomplir leur service dans la plus grande discrétion. Peu d'invités pouvaient passer la nuit dans ce pavillon parce qu'il n'y a pas beaucoup de chambres. Et puis surtout, au deuxième étage, elles sont assez petites, ces chambres. Et donc, voilà, il y a un espace un peu limité. Mais son successeur, eh bien, Guillaume IV, son successeur va, Guillaume IV, utiliser le pavillon de Brighton, également la Reine Victoria. Je vous montre ici une image de cette chambre utilisée par Victoria. Mais à partir du 145, Victoria ne se rend plus dans ce pavillon de Brighton, on va le vendre. Il va être vendu à la ville d'ailleurs de Brighton. Il servira d'hôpital hein, pour les blessés indiens et antillais de la Première Guerre mondiale. Alors après cette visite et la pause déjeuner, eh bien, on va quitter le littoral, on va s'éloigner de Brighton, pas très très loin, une trentaine de minutes. On est toujours dans le Sussex, on va rester dans le comté du Sussex, pour cette fois-ci eh bien, aller voir cette petite ville de Lewes, qui est intéressante parce que c'est une petite ville avec des rues
médiévale avec des vieilles églises. Il y a encore les ruines du château normand, construit alors sur une motte de craie, motte artificielle de craie. C'est un château que l'on doit à Guillaume Ier de Varennes, qui est le beau-frère de Guillaume le Conquérant, un château de la fin du XIe siècle. Et vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle une admirable ruine, hein, qui a été confiée depuis le milieu du XIXe siècle à la Société d'archéologie du Sussex. Et alors, à 10 minutes de ce château, de ces ruines du château, eh bien, il y a la maison d'Anne de Clèves. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai évoqué son nom, Anne de Clèves, une petite maison. Alors, typique de ce qu'on appelle la période Tudor, la période plus tard élisabéthaine, qui a été convertie en musée avec de nombreux artefacts du XVIe siècle. Les parties les plus anciennes de cette demeure remontent au XVe siècle et c'est un parfait exemple de ce qu'on appelle l'architecture à colombage de la fin du Moyen-Âge. Elle est appelée Maison d'Anne de Clèves parce qu'elle lui a simplement appartenu. Alors, Anne de Clèves, vous savez que c'est, bien sûr, je l'ai évoqué déjà, vous saviez sans doute, l'épouse d'Henri VIII, c'est la numéro 4. C'est une alliance qui était avant tout diplomatique. On a montré à Henri VIII plusieurs portraits de princesses allemandes peintes par Hans Holbein le Jeune. On va dire que le talent du peintre était sans doute très important parce qu'il avait peut-être un peu amélioré, arrangé la réalité. Lorsque Anne de Clèves arrive d'Allemagne, qu'elle est présentée à Henri VIII, eh bien, il n'envie que d'une chose, c'est d'annuler les fiançailles. Alors, il aurait été déçu par la beauté moyenne, apparemment par certaines odeurs corporelles un peu dérangeantes. Et ce qui le gêne le plus, Henri VIII, c'est surtout qu'elle ne parle qu'allemand. Et lui-même, c'est une langue qu'il ne maîtrise pas. Alors, bon, voilà, le mariage a quand même lieu en 1540, mais il n'est pas consommé. Et 6 mois plus tard, eh bien, Anne de Clèves est invitée à quitter la cour. Henri VIII demande l'annulation de leur union. Anne de Clèves ne s'est pas opposée à cette annulation et on va dire qu'il y a une sorte de bonne entente qui va s'établir avec Henri VIII, qui va lui permettre de rester un petit peu dans ses bons papiers. Elle obtient par exemple le titre de sœur bien-aimée du roi et elle va obtenir différentes propriétés pour la dédommager, notamment eh bien, cette maison de Lewis. Alors, on est à peu près certain qu'elle n'a jamais vécu hein, dans cette maison. Elle l'a sans doute visitée. Bon, c'était une des propriétés. Elle est passée dans la région. Et voilà, donc on ira voir cette maison très intéressante. À la fin de la visite, eh bien, on va rejoindre le Kent, l'hôtel du vin à Tunbridge Wells. Et puis, on y passera comme cela notre dernière nuit. Pour le quatrième jour, avant de reprendre l'Eurostar, on ira passer un moment très intéressant pour la matinée dans le sud-est du Kent, à moins d'une heure de route. On ira comme cela rejoindre la propriété de Great Dixter. Alors, il faut imaginer une grande maison entourée de jardins à l'anglaise. C'est un ravissement pour les yeux, pour l'esprit. Et c'est comme ça qu'on va utiliser notre matinée. Great Dixter a été une grande maison du XVe siècle. Vous l'avez ici un petit peu à l'image. Celle de gauche vous montre un grand hall qui était à ses débuts, il faut l'imaginer, chauffé par un feu au centre de la pièce. Alors, imaginez que la fumée s'échappait, il n'y a pas de cheminée, la fumée s'échappait dans la pièce, à travers les fenêtres sans verre et par le toit, dont les poutres, encore de nos jours, ont gardé certaines traces de ces fumées. Le sol de cette pièce centrale était fait de certain nombre de terre battue. Et c'est là que le maître des lieux recevait ses amis, ses clients, pour les repas, c'est là que la famille entière se restaurait. À la fin du XVIe siècle, cette grande pièce va être divisée en deux étages. On va voir donc un étage au-dessus avec une cheminée de briques à l'étage inférieur. Bon, la mode des grands halls était passée et puis surtout, on avait compris que c'était absolument impossible à chauffer. Alors, au début du XXe siècle, Great Dixter va être la maison de famille d'un jardin écrivain. La maison de la famille des Lloyd, jardin écrivain, c'est Christopher Lloyd. Des travaux qui sont entrepris par ses parents, qui vont permettre de restaurer la maison au plus près de ses origines, sans toutefois abandonner, on va dire, le confort moderne, puisqu'on aura toujours le chauffage central, on va installer le chauffage central, on va installer l'électricité dans cette maison. Alors, le chauffage central, les radiateurs vont être cachés derrière des coffres en chêne. Et alors, plus que cette belle maison Tudor, Great Dixter s'est installé pour ses jardins. Les jardins qui ont vu grandir, justement, Christopher Lloyd, en dehors de ses études à Cambridge, de 5 ans passés sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Christopher Lloyd a consacré sa vie
à ses plantes, à ses fleurs, à ses jardins à l'anglaise. Et il a trouvé là, eh bien, l'énergie, l'inspiration pour écrire. On lui doit de nombreux ouvrages, hein, bien sûr, sur cette nature, sur de nombreux articles. Greg Dexter, eh bien, est à présent géré par un trust qui a ouvert la maison et les jardins à la visite. Ces jardins sont devenus, au fil du temps, un lieu de pèlerinage pour les horticulteurs du monde entier. À la fin de la visite, on fera une pause déjeuner, bien sûr, et on reprendra la route, un court trajet, 30 minutes, cap vers le nord, pour un autre lieu très intéressant, le château de Sissinghurst. Alors, vous allez le voir maintenant à l'image, ce château, qui, la propriété en tout cas, existe depuis dès le Moyen Âge, là aussi. Elle a été transformée au XVe siècle, on a transformé cette gentilhommière de bois en briques. C'est d'ailleurs la première, on va dire, maison ou gentilhommière de briques du Kent. Et au XVIIIe siècle, eh bien, le gouvernement va utiliser cette propriété pour enfermer des prisonniers. 3 000 prisonniers de la guerre de 7 ans, beaucoup de Français d'ailleurs, qui sont emprisonnés là. Et c'est de là que date l'appellation de château, parce qu'il n'y a vraiment jamais eu de château à Sissinghurst. C'est juste une appellation qui a été donnée. C'est plutôt une propriété avec différents bâtiments, 5 bâtiments qui sont là, éparpillés un petit peu sur cette grande propriété. Alors, un siècle plus tard, les ruines des bâtiments vont être transformées en ferme. On va acheter, eh bien, cette propriété est achetée par une romancière qui s'appelle Vita Sackville-West, hein, qui achète cette propriété au début du XXe siècle. Et elle l'achète avec son époux, qui est un diplomate, qui s'appelle Harold Nicholson. Leur travail, leur passion vont transformer ce château, ces jardins, quelques 5 hectares de jardins divisés en de propriétés divisées en 10 jardins thématiques, comme le jardin blanc, la roseraie, le jardin aux herbes, le jardin paysan. Ils sont tous séparés par soit des enclos faits de murs d'anciennes propriétés, d'anciens monuments, d'anciens bâtiments, ou des haies de grands arbres, d'ifs par exemple. Alors vous avez sous les yeux, eh bien, la tour double, parmi les plus anciens bâtiments de la propriété, une tour dans laquelle Vita, eh bien, on l'appelle d'ailleurs la tour Vita, aimait se retirer pour lire, pour travailler. Une tour qui permet, depuis la plateforme tout en haut, d'observer apparemment jusqu'à Canterbury. Le National Trust a acquis la propriété en 1967 et depuis 92, eh bien, on a même limité, hein, le nombre de visiteurs admis dans le jardin, le nombre de visiteurs d'ailleurs sur toute l'année, pour essayer de préserver ce jardin, pour préserver cette très belle propriété. Alors, à la fin de la visite de ce château de Sissinghurst, eh bien, on reprendra la route en direction d'Ashford International, qui se trouve à une trentaine de minutes du château, pour regagner Paris avec l'Eurostar en fin de journée. Alors, bien sûr, vous comprenez qu'on suit l'évolution de la pandémie, les règles des différents pays. Et si d'ici fin avril, eh bien, ce voyage n'est pas possible, on va le repousser. On envisage bien sûr de le repousser à l'automne. Je vais à présent vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, ça sera le moment. Je vais bien sûr vous redonner la parole dans un tout petit instant. Je vous donne un rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine, pour évoquer, eh bien, ce formidable musée hollandais dans la banlieue d'Otterloo. C'est le musée Kröller-Müller. Donc, ça sera, eh bien, le jeudi 21 janvier, et ça sera donc un musée, bien sûr, qu'on visitera pendant l'une de nos croisières aux Pays-Bas, des croisières du printemps.